compétition, 4-4, et là ce soir vous avez concrétisé vos bonnes intentions dans le jeu par une victoire face au Chamois. Exactement, c'est vrai qu'on était sur notre fin par rapport à la prestation de Bordeaux le week-end dernier, et là voilà, on a récupéré ce qu'on a perdu avec la qualité du jeu, surtout en première période, et puis avec beaucoup de valeur sur la deuxième. On a souffert contre une équipe très technique, je le rappelle, qui était la meilleure attaque de la poule, donc c'était compliqué, c'était normal, on savait qu'on allait souffrir aussi dans ce match, mais voilà, les garçons ont su faire preuve, on fait front, on a plié sans rompre sur cette deuxième période, on aurait pu aussi tuer ce match avec la belle occasion de Sekou, qui sera puni dans la semaine. C'est la barre transversale, hein, c'est ça. Oh, c'est quand il dribble le gardien. Quand il dribble le gardien. Ah oui, il y a la barre aussi. Ouais, mais bon, la barre, c'est très très bien joué, c'est pas de chance. Mais tu dois faire plein du pied au sol, soit comme une passe, et ça rentre. Mais bon, voilà, il a fait un bon match, donc c'est très important. Voilà, et puis je trouve qu'on a tous joué de façon homogène aussi. Ce qui n'était pas le cas contre les Herbiers, où on était 2-3 joueurs en dessous. Voilà, les Girondins, on sait aussi, certains ont baissé pied en deuxième. Donc là, c'est un vrai match référent, je trouve, voilà, la satisfaction dans tous les domaines. Le tournant, c'est cette faculté à reprendre l'avantage très rapidement après leur égalisation. 4-5 minutes plus tard, vous reprenez l'avantage. C'était important de rebasculer rapidement avec le score en votre faveur. Ouais, oui, le fait de repasser devant eux après leur égalisation, je pense que ça nous fait du bien, ça leur fait du mal. Et puis surtout, comme Bordeaux, c'est-à-dire qu'on revient 3 fois au score contre Bordeaux, et là, pareil. Donc voilà, tant qu'on aura cette énergie-là, cette débauche d'agressivité, cette force mentale, on peut envisager ce haut de classement, ce très haut classement. Faut surtout rien changer. Je ne fais pas forcément tourner, mais j'ai un effectif qui est quantitatif et qualitatif. Donc, les joueurs qui jouent, il faut qu'ils gardent leur place chaque week-end, parce qu'il y en a d'autres qui attendent que ça, et quand ils rentrent, il faut qu'ils soient bons. Donc aujourd'hui, les 11 titulaires ont vraiment été très très bons. Belle rentrée de Gilou, qui pareil, qui rentre, qui marque. Donc c'est très très bien. On va essayer de garder ce rythme-là. On est loin de la fin du championnat. Ça nous permet de rester avec ces équipes de tête qui nous devancent. Mais en tous les cas, bravo aux gars. Suleiman, un petit peu plus de nouvelles. On a priori c'était la cheville, on a bien vu. Est-ce que tu en sais un peu plus sur son état? C'est un gros coup maintenant. Il faut qu'il aille vérifier s'il n'y a rien de cassé, rien de déplacé. Mais il a pris un gros coup. Je pense pas que ce soit très très méchant. Puis la malgré tout, parfait. On s'est coupé, victoire 2-1 contre les Chamois, donc je suppose que c'est une grosse satisfaction de prendre les 3 points ce soir face à un adversaire de qualité en plus. Effectivement, on avait à cœur de gagner ce match-là, ce match en retard, parce qu'on était un peu frustrés après le match contre Bordeaux, parce qu'on méritait quand même mieux que le match nul. Du coup, on a bien travaillé dans la semaine et on avait à cœur de prendre les 3 points ce week-end pour rester en contact avec Bayonne et Bordeaux. En deuxième mi-temps, Niort a poussé, mais finalement, vous n'avez pas été trop mis en difficulté. C'est aussi dans ces moments-là que les belles choses se passent dans une saison, quand on est capable de tenir les résultats aussi. Effectivement, parce que là, en deuxième mi-temps, on n'a pas eu trop de cause, même si j'en ai une. Après, on a su défendre, on est resté bien dans le bloc, même si Niort, ils avaient le ballon. Ils avaient une belle qualité de jeu, mais ils ne se sont pas procurés beaucoup d'occasions parce que la défense était bien en place et on a su être solidaire. Au final, on remporte les 3 points. Donc voilà, même s'ils gardaient le ballon et tout, ça n'a pas servi à grand chose en deuxième mi-temps. On sent une équipe en pleine confiance. Alors, c'était déjà le cas en première partie de saison, mais là, depuis janvier, notamment avec ce 32e de finale, on sent une équipe qui est en pleine confiance. Est-ce que vous ressentez aussi, vous, au sein du groupe? Mais depuis bien avant le mois de janvier, on savait la qualité de groupe. Juste il y a un moment où il y avait un peu de fragilité, là, où peut-être au niveau du début du match. On a su corriger ça fin décembre et début janvier. Et du coup, l'équipe, elle est de mieux en mieux, parce qu'on a
bien servir de nos erreurs pour être meilleur. Donc c'est ce qu'il va falloir pour atteindre les objectifs. Et puis ça, les efforts ont payé.